Et vous savez que le gouvernement veut une modernisation du service public. Ouais, il veut un service public plus numérique, donc moins coûteux. Alors du coup, ça va donner des trucs, bon bah comme ça, la sécu, les allocations familiales, la police. Allô, la police, au secours. La préfecture. La mairie. Bonjour, monsieur le maire. Et pourtant, quand j'entends le gouvernement, là, ouais, il lutte contre le chômage, la guerre aux chômeurs, ouais, devient de plus en plus dur avec les... Mais comment ils font pour lutter? Avec qui? Comment? Avec quoi? Alors, moi je suis pas contre hein, les machines, après tout, pourquoi pas, hein. On appuie sur le bouton, hop, c'est réglé. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème est nous, les citoyens du pays. Comment on fait pour avoir un salaire à la fin du mois, s'il n'y a plus de boulot? Ou quasiment plus? Alors, il paraît qu'en Europe, il y a des milliers d'emplois qui vont totalement disparaître à cause ou grâce au numérique, d'ici 10-20 ans. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Si on nous remplace par des machines. Ah, mais si, faire marcher des machines. Mais vu qu'il faut deux personnes pour faire marcher une machine qui fait un boulot de 200 personnes, bon, mais c'est pas grave, on restera à la maison et puis c'est tout. Oui, mais qui c'est qui va payer la maison ou le loyer? Puisqu'il n'y aura plus de travail.